Commençons par l'homme de Dieu, Oyo Alobi. Dans la nina ba propos naye, l'homme de Dieu en train de dire que un vrai prophète, ce qui réellement ba prophétie au temps ba ne ko lobela et ou taye pas na Nzambe, il fallait akende kuna na Goma sur place, to akende na Nigeria sur place pour elaksa que vraiment réellement Nzambe mouta lobela ki. L'homme de Dieu a osé d'aller plus loin, toucher aussi à la parole de Dieu, à Simbi deux versets. Ben apparemment yango na lobara toujours que makamwanza mesenga rapé mo kutanga ndam koyekola pe passer par les bancs de l'école physique et dans les bancs de l'école spirituelle aussi. La parole de Dieu s'interprète d'elle-même. Maloba nzambe bazula ngo verset mokote otangi verset wana eleyi ko lobanyo so non, la Bible a tout dit, la Bible est claire. Il est ingénieux, la Bible est intelligent. Donc Dieu a tout dit et la Bible est tellement intelligent. S'il faut dire que pour confirmer que c'était des prophéties à Nzambe, il fallait akende sur place. Déjà, l'homme de Dieu est dans le faux. Il y a plusieurs prophètes dans la Bible qui ont prophétisé, n'étant pas sur place. Il y a Makambosi Kedosalama. Je vais poser le fondement comme toujours. Si vous ne pouvez pas lire à bout comme Makambo Nazoloba, l'homme de Dieu, Jijika, sur un monde Makambo Nazoloba. Ah ouais, si vous n'avez pas la Bible, que ça bon côté. J'ai l'habitude de dire, au lieu tout ça dans la musique à l'obi à l'obi, trouvant un terrain d'attente, tout coûtant ainsi comme quoi, tout ça lit débat bisomi balé. À combien plus fort des raisons. Zambalaxi mutulikam. Azo bon à bia fouda bia akene car rapport gene ko loba likambo ko lobe sera loba qui veut maintenant sur maillot qui paye et comme ici na goma. Donc que le pasteur Jésus ne vient pas nous dire que pour ton dima que osa mosa wala solo il faut que ne kuna te na tangi na bible bente. Ma verset n'a pas osa pas suffisant, continuons à poser le fondement. Donc d'abord on continue là parce que ici que problème de Jésus ka isali. Continuons le verset. Moïse lui répondit. Es-tu jaloux Souka. Pour moi? Es-tu jaloux pour le moi. Le problème des pasteurs Jijika est la jalousie. Ne quoi ça jaloux. Je fais qu'interpréter la parole. Donc si le verset a contredit ce que j'ai dit, Nabi plateau mon corps. Moi je suis prêt, plateau mon corps. À peine on a prouvé qu'il est un homme de Dieu parce que Maramaloba est salami. Maramaloba qui est salami. Pasteur Jijika sera papé Nabik, ban noté. Mais l'écriture est en train de faire ça et on a fait un ministère. C'est un homme à sa colis. Mais on a ce qu'on a aussi un peu de temps pour que l'on a mis sur le vin. Par rapport à l'année à l'objet du ministère, l'année où déjà le prophète Fulgence a eu sa colis à l'Iwa, il y a Dauphin Laurent Désiré Kabila. Qui est l'aîné? Qui est l'aîné? Qui a reconnaissance de grâce? Et ça manque à reconnaissance de grâce mélangée avec la jalousie et la haine. Et ça m'a dit que c'est bombe, je ne sais pas comment appeler ces bombes. Et j'écoute maintenant notre frère Alvin Papalin qui dit il est l'aîné du prophète Fulgence à Mamanzam. Prophète Fulgence que vous voyez aujourd'hui, en 2000 ans, entre 2000 ans et 2001, déjà un homme de Dieu, considéré dans Mboka Hall. Bakene, Batouna, Nassifem, si et pas Mama Olang. Prophète Fulgence en 2001 voyagea pour représenter la RDC au Bénin et à Togo. Je parle du Bénin et Togo. Na mama Olangi, na papa Olangi, ne bazuye ba mémé qui ne ko représente Congo. Na 2002 déjà, avant 2003 tant on de Kwalvi na zolo ba kolo Yesu, na yambi lo kola mo sunye pe mo bikisi. Kota na bomo inangai, na ko ma ko salela yo. Déjà avant cette année-là, lui, il est déjà prophète. Azo Salana 2002 émission en Zondo TV. Merci Saint-Esprit. Na tongo, na pourquoi. Ils étaient avec un homme de Dieu dont le nom m'échappe. Émission na pasteur Abawarian, Denis Les. Va poser Denis Les ces questions. Entre 2002 et 2003, tant ou moins, Denis Les a beau ami. Il y avait Kankenza, il y avait Sonny Kafuta, il y avait Kiziamina, plein d'autres grands pasteurs autour de Mboka. Maman Rose Lessie. Maman Rose Lessie. En ces temps-là,
il fallait pas consacrer moi à Denis le Sepan Nzam. Qui a prié pour cet enfant? Mentalité à Misunga, Oyo ya Kras Mandela, la pétrolière, Oyebake, et Yena idéologie à Sikadok. Soki papa do maman avali kopela awa na kati makini komi tumisate ya kotinaka mboko na kini kaka soki obengi na numero oyo oza mobimba dekoyo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique Misunga bajeli bino wifi ya opele sosuke bazali na internet au debi donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye Salut Koukouma, on doit à ta interférence dans tes larmes. Maman, bonne santé. La bonne bien. Sauf qu'il te connaît, il a vu l'occasion de prendre soin de la mutualité Misunga. Il y a pas que, pour la dame, on s'en bimba. La petite déjeuner, fait la pompe. Il y a pas que, pas d'hiver, et d'aller faire la pointe. On connaît, pour qu'on dit ma tête, on allait à l'hôpital. Pas d'aller à la salle, il y a opération. Sans oublier d'être oculaire, donc pour Samo Bimba, qui est la mutuelle Misunga, et pour ça, la Misunga, et son maloukou dans le commencement. La clinique Misunga, va aller faire la dentisterie. Minou et Kozonga, tout mon pied. La Misunga, va traiter café, cataracte, yébake, au commande, pépele à Mbetolo, loco la caca, éclairage public, yanio. La Misunga, ta santé, c'est ta vie. Clinique Misunga, oyo ya Kras Mandela, la pétrolière, Est-ce Ezali, Ezate. Cabinet de santé nationale, puissante, chez Dr. Cathy Munga. Comme mon ami, sœur Cathy Munga, Nazali naturothérapeute, Nazali Kosura Bandeko Bazali Naboko, Nenge na Dengue, au moyen de plantes naturelles. Bandeko Bazali n'a pas problème, yaba hémorroïdes, internes tout comme externes, infection urinaire, prostate. Spermique, obota ezalité, rhumatisme, nerfs sciatiques, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motu passe intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire, awa ndebisika na sechaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, devant na nga, yango yo esika na salaka, ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe Mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Cari Grèce. Le biko na bino et singo na biso. Vérité et réalité, votre magazine. Vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, bienvenue mesdames et messieurs. Certainement, comme vous le savez, nous vous présentons cette émission avec beaucoup plus d'amour, de gaieté et surtout avec cette bonne humeur, bien sûr. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous avez choisi NTV.com étant chaîne d'attache. Merci infiniment. Alors, vous qui n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement et cela s'est fait gratuitement. Il suffit de toucher tout simplement sur le bouton où c'est écrit en rouge « S'abonner ». Touche une fois, va à côté, tu verras une cloche. Touche sur la cloche, tu verras toute notification. Touche sur toute notification et du coup, tu es parmi nos abonnés. Merci infiniment. Nous retransmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui, comme d'habitude, à la prise de vue Gédéon Loaï, accompagné de Sarive Mbala. Merci à Winner qui nous assiste. Clin d'œil spécial à la réalisation qui est assurée, bien sûr, par John Anzouzi et Jordan Panzo, notre chef. C'est vrai, bien qu'il n'est pas très en forme, mais notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth est au contrôle. Et derrière, bon, ça est l'autre. Hein? Ben, papa Tom, c'est maman Dej. Merci beaucoup pour nous. Et message, hein, bah ça est l'autre. De tout bang à bangoté, parce que je sais que bah ça la mangopé est l'autre au monde. Prophète, yom te mets ça na kose kreste ban abat. Yeba ke dossier ali. Magamuna ezuya e belé bela au saranate. Koka bela ranani. Infiniment merci à vous. Alors continuez toujours à nous faire confiance. Les gens insistent à ce que nous puissions parler toujours en français. C'est vrai, on fera un effort d'être bilingue, s'il vous plaît. Nos amis qui sont du côté de la. L'Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, Bénin. Alors, nous recevons beaucoup plus de vos commentaires et aussi ceux qui sont au Gabon. Merci beaucoup. Alors, nous allons nous démerder. Nous allons faire un effort à ce que nous puissions aussi parler en français ou soit, je conseille, interpréter aussi certaines choses que nous allons dire en lingala, le répéter aussi, le reprendre en français. Merci beaucoup. L'orphelinat, Christ Rédempteur, est très disponible.
Alors, vous qui avez besoin de soutenir ces enfants, vous pouvez vraiment vous joindre à nous et Dieu va vous bénir. Infiniment merci à celle que représente la Fondation Dès le cœur de la nation et Famille du cœur Christ Rédempteur, Maman Marie M5Q et à Liège, bien sûr, en Belgique. Alors, je crois que nous sommes toujours avec elle. Et vous qui avez besoin de nous soutenir, vous qui avez besoin de passer par elle, vous pouvez passer. Vous qui avez besoin de passer directement par nous également, ça ne dérange pas. Nous allons prendre les images de l'orphelinat, Famille du cœur Christ Rédempteur, et nous allons nous retrouver tout juste après. Suivons. Entre la République démocratique du Congo face à cette équipe de Niger. Bonsoir, bonjour. Comme vous avez pendant la délivrance, vous êtes un journaliste sportif. Je vous remercie, M. Alain Dele, la Fondation, Alain Dele, Oya Sungakaba, Oyo Bazanga. Je vous remercie, Oyo Nyonso, Baza Motema Malam Balunga Kosunga Bani. Ba soutenir la Fondation Alain Dele, ba mega peko sunga bato bazanga, soki batumi bale to misatu bazana Congo lokola mesi Alain Dele toko tombola Congo na biso, tanton lobby tozo luka, bat o bako soutenir Congo. Na remercier mesi Alain Dele, na Fondation na ye mutu aye ba koza, aye ba kapasi o batu bazanga akabilak. Bino pe batu bozana mutema malambo meka kosunga batu bazanga. Chan 2020, Moussa, il trouve qui? Les bancs par les Congolais, Inonga Banka, Indumba. Et ça, c'est toujours, ça passe en côté. Merci Nzambe, Asunga, Messi, Alain Dele, Fondation. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous comptons sur vous et nous croyons que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth va vous bénir. Nous avons un réel plaisir d'avoir sur ce plateau un serviteur de Dieu que tous vous connaissez d'ailleurs, un habitué de ces plateaux. C'est vrai, il était un peu souffrant, mais après un temps, c'est vrai, un temps de silence, aujourd'hui, il nous revient. Prophète Henri Miracle, qui est déjà avec nous sur ce plateau. Prophète Henri, bonjour et bienvenue. Bonjour, Baba Alain, merci. Maintenant, ça va? Oui, ça va, par la grâce du Seigneur, l'Éternel nous fait grâce. Bien sûr, nous avons été vraiment malades pendant un moment. Oui. Bon, on comprend que c'était des attaques aussi. Mais par la grâce du Seigneur, nous en sommes en sortis quand même dans cette attaque du diable au Komela Kibiso. Vraiment, on a été malade. Hein. On a été... Plusieurs personnes m'ont appelé, mais pourquoi les personnes ont... Effectivement, j'ai reçu beaucoup d'appels. Les gens me disent, mais papa Alain, qu'est-ce qui fait que papa Henri a disparu? Et d'ailleurs, c'est quoi les problèmes? On a vu, il a dit, merci Seigneur parce que tu m'as guéri. Et c'était toujours le message, papa Henri était malade, prophète Henri était malade. Maintenant, il a bonne mine, je crois qu'il le répond. Et voilà pourquoi est-ce que même il est là. Maintenant, ça va. Non, maintenant, ça va. Maintenant, ça va. Maintenant, Dieu fait grâce. Nous sommes là. Et en tout cas, Dieu a choisi les bons moments pour que nous puissions rentrer dans les bains du travail. Vous étiez absent, vous êtes de retour, prophète Henri. Je crois que l'est du pays, il y a eu désastre, catastrophe. Et l'éruption volcanique qui a fait rage de ce côté-là, précisément à Goma, Niragongo a pris à bouger. Il y a eu perte de vie humaine également, le bien, la population a perdu leur bien. Et vous êtes prophète, vous étiez au courant de cela ou bien comment? Quel regard avez-vous par rapport à tout ce qui s'est passé à l'Est, précisément à Goma? Je bénis Dieu pour ce qui se passe déjà. Bien sûr, j'étais absent. Peut-être physiquement, mais après, je n'ai pas cessé de suivre à la haine ce qui s'est passé. Et je continue aussi à prier, comme d'habitude, pour notre pays. Et en dépit de tout, toutes ces choses ont été annoncées par un prophète. Toutes ces choses ont été bien avant annoncées, quelques semaines avant, par un prophète que je salue déjà en passant, le prophète Fulgence Kounsou. Je vis le prophète Fulgence prophétiser sur volcan Dengue et Kosalama. Je crois même bien avant, même j'ai eu aussi à passer une émission en posant la même question et j'ai confirmé la chose que il fallait que l'autorité en Bogo Nabiso Bazwango au sérieux, Makambo Ibanego Manamunoko Yabasakoli, pour éviter que il le guane Salama. Et voilà aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi l'autorité en Bogo Nabiso Bazwango endurcir tellement mitema. Et moi, j'ai dit toujours une chose, que
que Moka évoluera parce qu'il y a un président intelligent, tellement intelligent qui est sur place, ou le ministre super intelligent. Mmh. Un pays ne peut avancer. Il n'y a que Dieu qui donne la prospérité à un pays, mmh, en commençant par des ministres établis dans Katam Mokawana. Mmh. Alors s'il y a des ministres établis dans un pays, ou Nzambazo, Lobela Makambo et Zo Salama, alors le gouvernement, président et ainsi de suite, il faut baza. Nanalisu, Nalito, Ilukola Makambo, Nzambazo Loba. C'est pourquoi aujourd'hui, après ça, c'est par rapport à l'Ouganda, Nigeria. Ma président Mboka l'Ouganda, Nigeria, il est attentif à ce que dit le prophète, le pasteur, et pays Nabango, ça prospère. Et aussi, ce que je regrette aujourd'hui, je profite aussi, pardon papa Alain, je profite aussi à l'occasion de Bandeko Bazo Landanga pour essayer de recadrer quelque chose. Quelque chose, je suivis une mission. Hier même, je suis encore une autre. Avant hier, je suis encore une autre. Il y a, avec beaucoup d'amour, en tout cas, Banderonanga, parce que je sais que nous, quand on parle comme ça, il y a comme le rôle à Moutouba Kanagio, le rôle à Moutouba Fingio, mais je ne vais insulter personne. Je vais vous dire que je recours à la parole de Dieu. C'est pourquoi dans le Moutouba, il y a beaucoup de choses qui sont dans le Moutouba. Donc, je vais poser le fondement par rapport à une émission que je suivis avec beaucoup d'amour et par Neuronabiso Alvin, na Mosali Nanzambe, JKK, je crois. JJK. Bon, je n'ai pas l'habitude de Rolanda et Pena, mais l'autre fois, je me suis intéressé à cette émission parce que j'ai écouté de propos parlant du prophète Fulgence qui a, avec ses prophéties, touché aussi à sa personnalité et puis dénigrant son ministère et ses prophéties. Je vais essayer de recadrer, après nous allons passer à autre chose, si tu me le permets. Effectivement, pas de problème. Sinon, commençons par l'homme de Dieu, Oyo Alobi. Dans la nuit, à propos, l'homme de Dieu en train de dire qu'un vrai prophète, ce qui réellement la prophétie, on ne sait pas si on ne pas dans le il fallait akende kuna na Goma sur place, to akende na Nigeria sur place, pour elaksa que vraiment réellement Nzambe mutalobela qui est. L'homme de Dieu a osé d'aller plus loin, toucher aussi à la parole de Dieu, à Simbi deux versets. Ben apparemment, yango na lobara toujours que makamwa Nzambe senga rapé, moko tanga ndamu. Koyekola pe, passé par les bancs de l'école, physique et dans les bancs de l'école, spirituel aussi. La parole de Dieu s'interprète d'elle-même. Malobanzam, Bazulango, verset Morote, ou Tangi, verset Wana, et l'Eikolobanyoso. Non, la Bible a tout dit, la Bible est claire. Il est, je dis, la Bible est intelligent. Donc Dieu a tout dit et la Bible est tellement intelligent. S'il faut dire que pour confirmer que c'était des prophéties à Nzam, il fallait akende sur place. Déjà, l'homme de Dieu dans le faux. Il y a plusieurs prophètes dans la Bible qui ont prophétisé. Ne t'en passe sur place. Il y a Makambosi Kedo Salama. Je vais poser le fondement comme toujours. Si vous ne pouvez pas lire Abou Kamakambo Nazoloba, l'homme de Dieu, Jijika, si vous ne pouvez pas lire Nazoloba, si vous ne pouvez pas lire Bible, que vous avez dit, j'ai l'habitude de dire, au lieu de ça, on a musique à lobby à lobby, trouvant un terrain d'attente, tu coûtes un essai comme moko, tu salis débat bisomi balé, yo ozobo ya magambo on a nzoloba, ton on a boya magambo nzoloba, mais on le fait sur place dans un même plateau, na plateau moko, comme ça, oh la xabiso connaissance ya magambo yo ozobo y la wana, posons le fondement, je rentre dans le même verset que l'homme de Dieu a donné, Actes des Apôtres chapitre 11. Acte des Apôtres, chapitre 11. Même sous homme de Dieu, tu as attendu verset Nyoana à comprendre le sens à l'écriture, démarche à l'écriture, peut-être à comprendre en bien. Alors, Acte des Apôtres, chapitre 11. Nous prenons Acte des Apôtres, chapitre 11, verset. Ouais. Et nous prenons chapitre 11, le verset 11 aussi. Ok. Et voici, aussitôt trois hommes envoyé de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. Se présentèrent na ekuke na ndako sikanga na zalaki.
L'esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Papa Alain, l'esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Donc l'apôtre ici, il ne dit pas que quand ces gens étaient venus chez moi, na telemaki na kendaki. Mais il est en train de nous dire que c'était l'esprit de Dieu. Ne yebisaki kende. Alors cela n'est pas une doctrine. Qu'à chaque fois Dieu te montre une chose, il faut au kende. C'est l'esprit de Dieu qui a dit à l'apôtre de partir après tout ce qu'il a vu. Nzambe na yebisinto makende. Donc Thomas kendaki na yemorote parce que na moni. Le fait de voir n'est pas synonyme de dire ou de partir. La Bible la prouve dans beaucoup de versets. Dieu dit même que si un prophète amoni likambo alobi sans que nzambe na yebisaye aloba a ozetum. Mais ma maman n'est pas un Zambé. Zambé moutalakissi, mais Zambé a dit si elle était Kaloba. A combien plus fort de raisons? Zambé a dit si moutoulikam. A zambon a bia fouta bia a kene. Car après kene koloba, likambo a kolobe, sera loba qui veut battre, ma yo qui paye, et comme yitina goma. Si Dieu n'a pas dit au prophète de partir, il doit partir pour apôtre Paul à Kenagi. Mais non, c'est ça logique. Donc l'homme de Dieu devait comprendre le sens de l'écriture. En accord avec Nombre chapitre 11. Posons le fondement. Nombre chapitre 11, verset. Je commence à partir du verset 24. Nombre chapitre 11. À partir du verset 24. Verset 24. Voilà. Donc, Moussa l'anzam, mais bien, je vais vous dire, verset, vous souvenez ma cache, en tout cas. Verset 24, je lis. Moïse sortit en rapporta un peuple le parole de l'Éternel. Moïse a bimi à Yeli, libot anzam, mais maloba yanzam. Il assembla 70 hommes. 70 hommes, 70. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple. Ok. Et les plaça autour de la tente. Autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée. La nuée. Et parla à Moïse. À ABC Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui. Ok. Nanzela moli mousson d'agilikonai. Et les mit sur le 70 anciens. Atie ango azu moli mousagilikonai. Atie ango likola 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Mais bah continuer à quitter, continuer. Il y eut des hommes. L'un appelé Eldad et l'autre Medad, qui était resté dans le camp et sur lequel l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoi qu'ils ne soient point allés à la tente, et ils prophétisèrent et dans le camp. Donc, awa Moïse na kata bitumba, bake bitumba, bandeko mibale, dont la Bible explique. Bible zoloba. L'un d'eux s'appelait Eldad, l'autre Medad. Batikalaki. Mais l'esprit de Dieu se reposait sur eux au point où Babaneko prophétisait des choses qui se passaient dans Sika Batobakena Bitumba Bazali. La Bible est précise. C'est pourquoi je dis la Bible est intelligente. La Bible dit Batikalaki na quand Bakena ke Sika tente et Zalaki. Mais Bazo Sakola Makamwe Baneko Salamakune Sika tente et Zalaki. Mais nulle part ils se sont levés pour aller et si qu'attente et salaire qu'on a. Donc que le pasteur Jésus-Christ ne vient pas nous dire que pour ton dima que osa mosa wola solo il faut que ne qu'on a tayé na tayé na Bible bien tayé. Bah verset n'a pas été osa pas insuffisant. Continuons à poser le fondement. Donc d'abord on continue. Là parce que si qu'un problème de Jésus-Christ est allé. Continuons le verset. Verset 27. 27. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit. Eldad et Medad prophétisent dans le camp. Eldad et Medad bazo sakola kataka elokola fulgence na roger baka ba sakola na Congo makambo sa mana na goma toke papa. 28. Et Josué fils de Nun. Si ko Josué a soyé image à pasteur Jijika. Serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-le. Moïse lui répondit,
Es-tu jaloux Souka. Pour moi? Es-tu jaloux pour le moi? Le problème des pasteurs, Jijika, ils ont jalousie. Ne crois pas jaloux. Je fais qu'interpréter la parole. Donc si le verset a contredit ce que j'ai dit, Nabi plateau mon corps. Moi je suis prêt, plateau mon corps. Ce qui fait la foutre à moi, on a foutu. Donc, tant que nous avons mis les bases, la base qui était dans le Mesalaki. C'est comme le prophète Fulgence. Il est à Kinshasa, il prophétise pour des choses qui se passent à Goma. C'est comme vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un salamité. Mais salami, à peine a prouvé qu'il est un homme de Dieu parce que je suis salami. Je suis salami. Tant que salami, si vous voulez, vous ne pouvez pas me dire que certainement, vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps. Bino bo fandi siko na plateau pour dire il fallait kende siko akenda kite maramalo ba ke sami to samite et salami le problème ezali ezana niveau ya prophétie et ko samite to problème en fait le nœud du problème ezabzi ne place na besoin to koma le problème ezanini le prophète est un vrai serviteur de Dieu ou il ne l'est pas ou soit et ça l'une des prophéties, parce qu'au cas où prophétie qu'on s'est maquillé, on pouvait encore avoir plusieurs bouches, ou contredire que non, voilà, Koutou Moutalobaki et qu'on s'est maquillé. Même lorsque la prophétie s'accomplit, ça pose problème toujours. Posons-le, le fondement. Pasteur Jijika sera papé Nabik, ban noté, l'écriture, on a zopé ça, et au son rabat, on a ministère. 1 Samuel chapitre 9, la réponse à la question par rapport à l'écriture. Je commence à partir du verset. Commence à partir du verset 6. 1 Samuel chapitre 9. Parce que j'ai écrit sur le coin de mon cas. 1 Samuel chapitre 6. À partir du verset. 1 Samuel chapitre 9. À partir du verset. Chapitre 9. À partir du verset 6. Après mission, tombe dans mon cas. Il y a un écriture. Les serviteurs lui disent. Mon sang y a eu ici. Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Il y a dans cette ville qui? Un homme de Dieu. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Depuis tout bandit, prophète Fulgence, j'ai suivi toutes ces prophéties. En 2020 déjà. L'élimination après il y a Macron. Non, il a prophétisé sur la disparition et le fait Laurent Désiré Kabila. Non, je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas. Aussi ça aussi. Laurent Désiré Kabila déjà. Liwanaï. C'est un masakoli. Mais on a ce qu'on a aussi ma po na po na nerako sungabende on a mis soit vin par rapport il y a année à l'obé bandi ministère na année au déjà prophète Fulgence à osakola liwa il y a dauphin Laurent Désiré Kabila ce qui est l'aîné. Qui est l'aîné? Papa Alain. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Roger Bakadi la jalousie de la connaissance. Donc, ici on dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu et un homme considéré. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il dit, donc, l'une des caractéristiques d'un vrai homme de Dieu, prophète, c'est lorsqu'il prophétise et des choses se réalisent. Si vous avez un foot en bon, vous avez un foot en bon, vous avez un foot en bon, vous avez un contredit mal. Donc, l'homme de Dieu s'est mis devant plateau Moro pour contredire réellement les moutoutes et malobanzam. Et puis, bon, vous avez un foot en moi, je suis prophète, je vois. Je vois votre combat. Ma passion nous sous la nouvelle tendance à Babouna Bitumba, la nouvelle tendance. L'Iguana Bangote, la nouvelle tendance. Parce que nouvelle tendance pour une prospérité, et puis il retombe la Bitumba. Ça, je prophétise. Je suis en train. Il y a un PDGA. C'est-à-dire que le fait que nouvelle tendance, et Nakati, s'il y a trois chaînes au Bafandisi, Basalanzam, mais à solo, Baola Marambouye, ça là. Nouvelle tendance, ça va dans la première, les lots. Alors, ça va susciter une jalousie. Ce qui est critique, on a pu s'y écouter. On a continué à poser fondement.
Ate a souka, pour na regarder non pasteur, pour na kota siko, pour na regarder pour mon égal vin. Papa, 1 Samuel chapitre 10. Pasteur Jessica a né na souki na yo pour na gépe pour na égal vin. Comment peut écriture ko souna yo? Chapitre 10, à partir du verset 6, car tout est 6. 1 Samuel, chapitre 10, nous lisons le 6e verset. Ok. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel, moi, mon ensemble, aussi, Mbayo. Tu prophétiseras avec eux. Oko sakola na bango, awa mosakoli, azomo na makambo, yoko le kana gibea Elohim. Azakunate. Et tu seras changé. En un autre homme. Ah, mon saroli Samuel, azomo na makambe ko sala managibia Elohim mazakuna tayebi se mota ngokende kuna. Okutana ganzo wa sakoli. Yo emolimi ko simba yo. Yo ko sakola. Ya kende kuna mon saroli wa. Akena yute. Ayebi se makambe ko sala ma. Dans quelques jours, peut-être dans quelques heures, dans quelques petits temps. Tango ko makuna. Tango makambe ko sala mezaboye. Ake kuna te. Mais tango. Sao la kei. Makambe ko sala mi. Seulement n'est-ce que Moussakoli, Samuel Alobaki. Moussakoli a gagné kuna. A gagné kuna ta. Donc que le pasteur Jessica arrête de nous embrouiller avec des versets ou avec tant qu'il y en a que il faut a gagné kuna pour la Moussakoli à Soloba. Ici j'essaie de montrer qu'il y a des prophéties qui ont été données. Ba gagné sur place te, Marambo Salami. Donc ici, les prophètes Fulgence, moi, je confirme que c'est un homme de Dieu. Et le Congo, les hommes de Dieu du Congo, doivent apprendre à accepter tout ce qu'ils ont utilisé dans la période, dans la saison, dans la imposé, bondi maye. Donc, ils ont manqué à reconnaissance de grâce. Ils ont manqué à reconnaissance de grâce, mélangé avec la jalousie et la haine. Et ça n'a pas été si bombe, je ne sais pas comment appeler ces bombes. Et j'écoute maintenant notre frère Alvin Papalin, qui dit il est l'aîné, le prophète Fulgence, dans Mamanzam. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de se renseigner parce que même, j'ai posé aussi le même souci, papa, le même problème. Je vais compléter une chose. Dernièrement, j'ai dit une chose. C'est vrai, il y a aussi le serviteur de Dieu qui répète ça très souvent. Lorsque nous passons à la télé, nous exposons des choses. Soit on expose son ignorance, ou soit on expose sa connaissance. Nous devons faire très attention en fait, parce qu'avant de parler de quelqu'un, il faudrait qu'il y ait quand même, ne fût-ce que de recherche, tout autour de la personne, connaître en vrai la personne. Ça même, je dis ça, Papa Alvin, c'est quelqu'un que moi je respecte, c'est vraiment un proche, quelqu'un avec qui on partage de bons moments. Alors je me pose la question, je ne sais pas qui lui a passé des informations, où est-ce qu'il a ramassé ces informations pour dire tout ça, mais bon, je moi, crois que c'est pas vrai. Moi en tout cas, pour que Papa Alvin parce que c'est ce que tu viens de dire. Ou tu exposes ton ignorance, ou tu exposes ta connaissance. Donc, on a quoi été dans le plateau, prophète Fulgence que vous voyez aujourd'hui, en 2000 ans, entre 2000 ans et 2001, déjà un homme de Dieu, considéré dans Mboka Hall. Bakene batuna na CFMC et pas Mama Olang. Prophète Fulgence en 2001 voyagea pour représenter la RDC au Bénin et à Togo. Hein? Je parle du Bénin et Togo na Mama Olang na Papa Olang ne bazuyé ba meme ya ne ko représenter Congo. Na 2002 déjà, avant 2003 tant de Kwalvin azolo ba kolo Yesu na yambi lo kola mosungi pe mobiki ici. Kota na bomo inangai na ko makosalela yo. Déjà avant cette année-là, lui il est déjà prophète. Alors ça en 2002 émission en Nzondo TV. Merci Saint-Esprit. Na tongo, na pourquoi. Il était avec un homme de Dieu dont le nom m'échappe. Ba sola ka ba ba saka émission na pasteur Abawarian, Denis Les. Ba poser Denis Les questions. Entre 2002 et 2003. Tant au moins na Denis Les abotami. Il y avait Kankenza, il y avait Sonny Kafuta, il y avait Kiziamina, plein d'autres grands pasteurs autres qui n'ont pas Maman Rose Lessie. Maman Rose Lessie. Avait... En ce temps-là, il fallait pas consacrer moi à Denis Lessie pas dans Zam. Qui a prié pour cet enfant? C'était ni Kankenza, ni Sonny, ni Kiziamina, ni Koutino qui était là aussi.
C'était le prophète Fulgence. Permettez-moi, j'ai dit, c'était le prophète Fulgence. Déjà, en ce temps-là, c'est à lui qu'on a donné l'enfant pour à consacrer Mwana et pas Nzambe. Un homme comme Denis Les peut donner son enfant à consacrer à n'importe qui. Nous devons éviter. À mon ministère, Lélo. Non, nous remarquons, c'est pas dans ça. Après, c'est n'importe qui. Papa, là, les gens ne savent pas. Déjà, il prophétisa pour la mort du défunt Mouzé Laurent de Kabila, comme on vient de dire ici. C'était en quelle année? Bon, année, on a. Il disait, ah, ça coule, ah, tamboula. En 2002, le prophète Fulgence bâtit deux églises. J'ai dit deux. 37e communauté. Mako Oeza Yamunene Awa. Si le loto vivre, allez-y vous renseigner. Nasuka Mir Nanzela Maya. Nasuka Mir. Église Akade Yadine Okalezana 37e communauté. La personne qui a bâti à moi, c'est le prophète Fulgence. Monsieur Aki, moi, Bakote Mouna. Donc, il y a un papa, papa, là. Namouto n'a bandi en 2023. Namouto n'a pas imposé. Namouto n'a pas implanté par l'église. C'est en 2002. Vous voulez vous comparer à lui? Tout ça, lorsque vous n'êtes pas renseigné, vous venez nous raconter des faussetés. Mais ce que attends, mon Dieu, au moment où il a la haine, non, mon Dieu, vous savez, il n'y a pas beaucoup de magambo contre les professeurs. Et mille euros, la problème n'ayez. Je ne suis pas venu ici déjà pour parler de Fulgence. Non, mais j'ai suivi, ça m'a fait mal, comme c'est dans mon pays et dans mon domaine. Et puis c'est pasteur. Il est pasteur ou prophète? Jusqu'à. Si tu n'es pas prophète, pourquoi tu veux expliquer les choses des prophètes? La Bible dit, mais rarement les péchés de ton prochain. Dans l'interprétation de l'Axiboué. Si vous êtes pasteur, tu es la pasteur. Vous êtes un prophète, tu es la prophète. Si vous êtes prophète, tu es la prophète. Vous êtes un docteur, min. Donc quand tu es pasteur, reste pasteur. Explique-nous, fais attention à l'église. Si on considère que je suis un homme, on a raté. Le prophète Fulgence a fait des choses dans ce pays. Il a prophétisé Marambo et Salama. Chichichichika a fait quoi? Il a quel témoignage? Il a ramené à l'Oba au Tomone et Salama. Il a vu que le Kouyaza est né, bon, est né, gars. Il y en a 2003 bani Maramanzam. Il y en a 2002 qui ont implanté l'église. Qui est né? Il y a 2001 déjà qui ont voyagé à qui nous représentait Mboka. Qui est né? Donc arrêtez de nous embrayer dans Mamouzangatina. Mais on se pose la question, prophète Henri. Pourquoi seulement. Toutes ces bouts se sont levées seulement dans le moment où, parce qu'il a prophétisé, je crois, quelques prophéties où il a nani awa, ou d'ailleurs, il a médiatisé, parce que d'ailleurs, il y en a plusieurs où déjà, où il a médiatisé, tu es allé à l'écoute médiatée. Mais au moment juste à prophétiser sur, je crois, sur Est, à l'obéli sur humiliation, il y a Emmanuel Macron, et à l'obéli sur. Le nom de Bill Gates qui sera d'actualité, bien sûr, ne précisons pas ce que Zalama Lam ou ce que Zalama B. Alors, il y a eu quelques prophéties où annonça qui salami, 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 salami. Même cette histoire, il y a Vital Kamer, où il y a 13 ans, ouais. il y a travaux forcés. Je crois que ce sont des histoires déjà, il y a des Zalaki déjà, le Bela qui est ouais. Alors, pourquoi seulement on attend où il y a Malamo Batou Alamou qui pour dire qu'il n'est pas de Dieu? Azo invoqué des démons dans le culte. Il y a un combo. Il y a un troisième, ce qui est il y a un œil de devant. Bande comme soit interprétant, vous allez troisième œil. Bande soit interprétant, vous allez ce qui cinquième œil. Bande soit le bien, vous allez œil. Il y a grand architecte. Vous allez avoir un billet à $1 et tout. Alors on se pose la question, c'est quoi le vrai problème dans tout ça? Le problème de l'église du Congo, c'est que l'église du Congo a du mal d'accepter la grâce et la grâce. L'église du Congo a du mal de croire à l'autre que Oeza Nzambe. L'église du Congo attribue tout au diable. On sait qu'aujourd'hui, il y a même 50-60% de pasteurs qui vont dans la Bolivie. Si on parlera de tout ce faux, parce qu'il y a aussi de vrai. Le problème, c'est que problème, il y a reconnaissance, il y a grâce, il y a mouninga, et ça m'a cassé dans le Congo. Les gens veulent que Batoubata la yé, génération selfie. Ali Batoubata la yé, Jijika, Mané Mgonol et l'internet, ainsi de suite. Les gens veulent eux-mêmes.
ils pensent qu'à eux-mêmes. Mais papa, là, à chaque saison, à chaque période, Dieu vous impose une personne, deux, trois, quatre, au Aosal et la Bangon, à Péro, Douana, jusqu'à un certain moment, arriver pour changer, vous devez imposer Binoraba. Si un vrai homme de Dieu comprend cela, à quoi ça, là, mon problème, c'est que, oh, pour la Nikaïm de Sakolaki, pour la Nikaïe, du fait de ne pas reconnaître la grâce des autres, ça crée la jalousie. Ça crée la jalousie. Ça crée la haine. Nous sommes seuls à tes amalames. Nous sommes tous les gens qui sont là. Et vous venez dans le public pour nous dire que c'est qui bon côté. Avec des versets bibliques. Pourtant, il y a plus de 15 versets, 20, 25 versets parlant de prophètes qui ont prophétisé au Bazarata Nessikawanate. Tout ça, c'est un manque de reconnaissance. Les prophètes Fulgence. Moi, comme l'apôtre Moukend avait dit aux États-Unis, au Canada, s'il y a un prophète au Congo, je vous recommande le prophète Fulgence. Moi, je suis prophète, non? Papa, là. Pourquoi il est dérangé? Mais ça me dérange pourquoi tout ça est dérangé, il y a un maître Moko. Chacun de nous a une particularité à grâce. Il n'y a pas de retirer le coma, il n'y a pas de retirer le coma. Peut-être que Dieu me choisit moi en matière de délivrance, ça ne rate pas. Mais il vous donne un homme qui vous dit des choses qui vont se passer dans votre pays. Pourquoi vous le combattez? Pourquoi vous le combattez? Vous ne combattez pas en ligne. Il y a mon nid à l'obé et salami. Bon, moi, je suis un je serais fou. Pour moi, si vous n'avez même pas le courage de venir dire ce que vous dites que Dieu m'a dit. Mais vous avez seulement le courage de venir critiquer ce que Dieu dit. Et par de vrais hommes de Dieu. Chacun de nous a sa particularité, chacun de nous a son appel. On a une particularité, nous tous. Des fois, grâce à nous, le prophète Fulgence a un autre. Des fois, on a un autre. Et pourquoi je vais combattre si nous travaillons pour un seul maître, le même Dieu, une même église, corps du Christ? C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, ça prouve que ce lisou, dans ce même corps, comme nous bon, Bokataï. Merci beaucoup, prophète Henri. Je crois que nous allons. Et on avance. Mesdames et messieurs, je crois que c'est avec regret que je vous annonce le comportement de certains, soi-disant, serviteurs de Dieu. Ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Vous savez pourquoi est-ce que nous avons toujours dénoncé? C'est parce qu'il est temps. Jusqu'à quand on va demeurer avec des gens qui sont en train de arnaquer les enfants de Dieu, qui sont en train de piller les enfants de Dieu? Et aujourd'hui, quelqu'un qui quitte chez soi, qui s'amène à l'église pour chercher la délivrance et arrive à l'église pour recevoir encore des esprits impurs pour détruire encore sa vie. Je me pose la question, c'est de quelle église dont on parle? Aujourd'hui, je crois, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un sujet qu'on a abordé à Awa. Je n'ai jamais été contre, je ne sais pas, le prophète. Il y a un temps où on a été, mais Batounion surtout, il y a eu. Batounion surtout, il y a eu. Prophète fashion. Prophète stylé. Quelqu'un qui s'est dit, non, voilà, voilà, voilà. Jordan est où? Jordan est où? Est-ce que vous pouvez m'appeler Jordan? Voilà. Nous étions visités. Je me pose la question, est-ce que si quelqu'un a besoin de faire arrêter Alain Délé, est-ce qu'il faut passer par mille chemins? C'est la question que moi je me pose. Il suffit tout simplement de prendre une convocation ou une invitation, déposer dans mon bureau, je veux recevoir l'invitation. Et cette invitation, je pourrais quand même répondre. Si moi je ne réponds pas, mon avocat est là, disponible pour répondre à cette invitation-là. Bizarrement, c'est le jour où j'étais en train de tourner avec l'évangéliste Roger Baka. Je suis sur le plateau, un groupe de gens viennent me chercher. Bazo imposé, bazo ça va tout montez à la porte. Yebisa journaliste Alain Akitanase, ceux qui n'ont ma bandier mission Akitananu, bisoto solanae. Comme le portier n'était pas encore, n'avait pas la maîtrise et puis arrive qui bato anate, c'est comme ça qu'ils ont non azo salam sala, il faut poser la ti a aussi ça. Je termine na côté la motuka na zongiti na bureau.
na commune à bureau, j'étais là avec toute mon équipe. Je crois on va filmer mon Axamino image. Vous allez voir comment est-ce que la disposition il y a équipe non. Please. On a l'air de présenter Minouka Jordan juste en passage en clair. Allez, Kaka Raboué. Mon apôtre, peut-être quand je parle, les gens ont tendance à croire comme si c'était Nabandaï Koko, ça. Voilà. Donc, notre chef Jordan est là. Comme j'ai toujours dit, Bandeko, peut-être, Jordan, s'il te plaît, est-ce que tu peux un peu baisser. Voilà. Donc, Neko Jordan, yeyo, aza awa. Bandeko ba yaki pona ko enlever nga pona ko bomanga pona ko kanganga sans document ba yé na bureau ils ont envahi l'immeuble bazaki na sé bandeko bazana ba témo je crois que ba yoka yindé lo ba na ko loba ils sont venus pona ko lukanga lokola bazaki ngati ba yebi ki na ba numéro ils allaient toujours afficher numéro ko maka Jordan lorsque quelqu'un veut passer pona ko kuta na nanga una yamba na émission tous allaient toujours na structure na biso les gens passent par Jordan c'est lui qui est chargé de tout. La production, Makamoutou, c'est lui qui gère. Bien qu'il ait un enfant, Azan en est trop jeune, mais du moins, Azan jeune au une informatique à Makasi. Bakutani naye, bakangiye, sans document, babani kobetaye. Qui est le plaignant? Balingi ko présente plaignante. Bamemiye, heureusement, merci Nande Konabiso Mombaya. Si moi je mens, Mombaya est témoin. C'est Mombaya qui a vu. Donc Jordan a vu Mombaya, né à Beleli Mombaya. Mombaya aye le ko mazaki pe akwa ki pe ko sala intervention makasi mingite parce que aye ba ki pe na dossier te. Ba ibi se ka zo numéro o ki ko benga biso to memiye na pe crime ya Delvo. C'est là où Jordan ba kanga ki ba je crois vers 15h. Jordan ki na ki porté disparu. Mombaya m'a appelé. J'ai appelé le numéro ba pesa kinga lorsque quand on a bing ba pona tuna ezana ni bokangeli ni ni problème nini malamo ba ndi ko betaye c'est là où il a commencé ya ko subir torture ko betaye pona nini kaka parce que Jordan azo bombanga yene moto a bominga vraiment et moi j'étais au bureau nazaki pe musikate donc ça veut dire que bango bazana se bakangi Jordan na se a immeuble nga nazana bureau awa na ebite ke des abos réalisateurs de Jacques Naki. Jordan, merci beaucoup. Donc, tu peux rentrer. Nao, continue. Et alors, Bakangi, Jordan, ils sont partis avec Jordan. Babani, Kobetaye, Babetie, Babetie, Babetie. Lorsque Babani, Sko, Batou, Bakomi, Tokomi, Kobenga, n'alerte, Batoukino, voilà, Bakangi, réalisateur, Nanga, Pona, Boibo, Nazo, Baté, Nani, plaignant. C'est alors que Tobani, Ko, s'est renseigné, Ko, Luka, Nani, Oyo, Azali, plaignant. Nga nana problème na yo na nini alobi to sa la diffamation. Diffamation, je me pose la question to banda ko bimisa ba biloko nyonso tout to la keno eza diffamation. Il y a des gens qui sont prêts. Ya ko bima lelo oyo, ko ya ko bima ko témoigner contre maramuyo zo sala. Je me parce que l'évangéliste Roger Baka a pris azaki fardeau ya likam oyo. Il s'est imprégné à kota ki na dossier oyo jusqu'à ce que Makamion surtout et Sili, Tobani Kola de la Makamion surtout, il fallait que Zela Yemo, il ne se présente même pas. Merci à la justice Ambo Kanabiso parce que Naibi qui est justice Ambo Kanabiso et que ça, la Moussala, la Mouninga Sengeli. Neko ou Abeta Miboué, évangéliste Roger Baka Aza au courant à Yébi. 100 francs, il y a un prophète, et ça, il y a un cathité pour faire un traitement. Et ça, il y a un mot qui prendrait en charge. Donc 100 francs, il y a un prophète, et ça, il y a un mot qui est boué. Je me pose la question, Bino, ba prophète. Nga a na lobby bandeko oyo bo sequestra tango ba koya na plateau e ozali kambuya yo na bango ezali kambuya yo na bango na tanka kombo ya mwana dona ba sa kombo te bo yebi de quel prophète dont je suis en train de parler. Il est temps Dieu s'est décidé à kotele ya ko bimisa bino na poisa ngate parce que tango bo sequestra bana ba tu ba si nga na za la rate. Tant que vous avez un bon abattu en otage, vous avez pillé un abattu. Tant que vous avez un bon abattu à Mikie, oh les lobes, ceux qui ont fait la justice, ils ont violé. Ils ont raté. Ils n'ont jamais pu violer Moutou. Je crois que le comportement est toujours télémélango avec la toute dernière énergie. Ceux qui ont continué, ils ont tapé Batou, ils ont eu une relation avec l'icolo. Et je sais que la justice a mort en avis, ils ont eu une justice en avis, non, parce que ils ont eu une justice, ils ont eu une justice. Non! Cher prophète, prends le temps, il y a Osolana en toi. Je répète encore,
prends le temps ya ko solana entourage na yo na ba tu oyo salama be bande ko basi oyo ki yo tambola na bango il est temps que ndo solana bango parce que le jour e koma na justice okoka ma jour wana ke nga ba kanginga ba témoin o ba ko bima yo ndo okoyeba je ne protège rien à protéger ma bonza te ponga na tiaka panier te ma bonza bo pesanga ma bonza non je fais mon travail et ça gagne pain nga je nourris ma famille na oyonga na saelaka et a musala nga. Alors lorsque quelqu'un passe ici, na na problème té, na na problème à mututé, mais toki yo olingi nde okota omega. Il y a pas de problème. Nga na fandi na otala yo. Obili kelele abanga lisanwa zeloté. Pona potopoto akota rapé. Donc ngai kote wana je ne cède pas. Merci beaucoup na justice, merci na bande konyo surtout basonga kibiso évangéliste Roger Baka de tout cœur, merci beaucoup homme de Dieu. Merci pona soutien na yo pona nyo surtout aux alliés. Donc ça dit que boye bo frisé kaka équipe donc ba moye ba to ba sala suku tu bien zati ba to komu ko banga na immeuble donc ba to po ba kita na sei immeuble ba mona ka ki non peut-être ba okanga bango. Je ne sais pas mboko na ibité so yo zanani vous na mboko po o komanet yo no za au dessus de la loi. O zanani. Ne ko faut faire très attention mboko za mboko na biso nyonso. Les Congo au Congolais. Moi je n'ai jamais pillé les gens ngana ki na ko escroquer ba tout je n'escroque pas les gens. Alors na osala msala na ngai en bonne et due forme. À bon entendeur, salut, merci beaucoup. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être à l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, qu'attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être? Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibien-être.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Prophète Henri Toki Nasuka, pendant que je ça, je crois que vous êtes au courant, il y a une menace qui est toujours si bien. Alors, message Nini, parce que dans mon yokoumi, mais ça a je crois que le risque est à métier. Papa, là. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Je vais demander à Badino Sobaibi, prophète, Botine de la mission. De toutes les façons, vous me connaissez. Vous bien. Je me présente, prophète Henri. Miracle Power. Moi, je crois que Bato va y barater que tu te dénonces à rappeler Bato Misala Mabé Boué. Et à dire parce que tu fais un anda ou l'eau, ça l'a dit de dénoncer Bato. D'abord, c'est pour respecter la parole de Dieu. Et le but ne fait pas part aux œuvres infiltrices, mais dénoncer-les. Et d'aider Tozan à Mikanda avec l'église indépendante contre tous les anti-valeurs dans quatre églises. C'est pourquoi? On parle sans crainte. Pour ton relation, tu vas aller à l'aéroport. Si on a l'aéroport, c'est qu'il y a un peu de prévôt.
D'abord, je vous interdis, mes chers frères et sœurs, de suivre ces prophètes. Ce n'est pas un homme de Dieu. En aucun cas, Azamoussa Yanzambi. Parce qu'un homme de Dieu, voilà ce qu'ils ont fait à notre frère. Bah, moi, on a battu déjà, boyé. D'ailleurs, il était déjà peut-être souffrant. Bah, je suis souffrant, ça n'est pas bien, on a. Bah, bêtillé. Mais moi, je vous dis, ce matin, je lui ai trouvé KO. Pourquoi? Pour simple pommade. Ma peine l'hôpital la tia dès qu'appliquer mon bruit et salier ma douleur nous autres ma seconde fille et bandelle est passée. KO, il ne pouvait même pas, il ne peut même pas travailler. Pourquoi? Parce que un soi-disant prophète a t'in dit batoubaya rokanga batouba boumaba saramabe. Mais tu es un démon, frère. Ouah, moussa en zambéta. Tu es un démon, un voleur, un escroc, frère. Sinon, ben, moi, démon, voleur, escroc, parce que na yéu bateau escroca, bateau hiba. Donc, il faut éviter au comme ça dossier nos graves. Pour le jour où tu oses, frère, encore, au moment la liste à bateau va offrir, aura na kitso aura na fandi. Bazar ou expliquer au marambo yo sala bango. Déjà, j'ai plusieurs dossiers. Et là, bah, c'est quoi? Nous, quand on dénonce des personnes comme ça, c'est déjà pas parce que nous ne sommes parfaits. Toi, ben, la bérer en abisso, mais tout ça, là, grand effort. Exemple pour na je fais l'effort yako perfectionner ba défaut nanga donc na se perfectionner pour na éviter ba défaut na ke na qualité moko boya ko comme le col à Christ. Mais quand tu es soi-disant prophète Francis, tu envoies les gens pour ba enlever ba babo mabato. Frère, je répète, tu es un démon. Un sorcier à la mouka na bouta pour moi. D'ailleurs, vous dépendez que pour moi, le roté à terre à tout. Voyage astral. C'est de la magie et la sorcellerie. Bon, je vais un peu poser le fondement sur toi. 2 Pierre chapitre 2, verset 2. 2 Pierre. Je vais vous expliquer qui est Joël. Bah, Joël veut baser Bélé. Qui est Joël? Je vais vous expliquer qui est Joël. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Parce que nous avons une autre musique à l'église comme mon nain, nous autres, nous avons une autre impédique et je l'assume. 2 Pierre chapitre 2, verset 1er. Parmi le peuple de faux prophètes, il y a eu parmi le peuple de Joël. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Et ça, pourquoi la Bible relie toujours plusieurs fois dans la Bible, lorsqu'on parle de prophètes, on parle de docteurs. Lorsqu'on parle de prophète et de docteur, cela, ça parle du prophétique et de l'enseignement. Donc, si on a dit prophète, on a dit enseignement, Jésus-Christ? Est-ce que ça a voyage astral? Est-ce que ça sexe? Si cela n'honore pas le Christ, ah, bon, comprendre, tu continues. Qui introduiront des sectes pernicieuses? Bah, cocotte, ça, les sectes, c'est qu'ils sont antichrist, ils ont Christ, c'est qu'on a cacheté. Qui régnant le maître qui les a rachetés? Bango, bako régné, bako boy, et même yeso à son magi bango. Pourquoi? Parce que la prophétie de Zaïd dit ceci. Basi, sept, bako kangamoba limoko. Je répète tous ces versets et je dis, bako ebisaye boye, li patorolia ebiso moko. Et la matourate à Bissot Moko. Mais yo pesa biso ka combo na yo. Pourquoi? Pour l'ongo la soni na biso. C'est pourquoi ma chère Yaba Joël, ils vous parleront de Jésus. Ils disent, la Bible dit, au dernier jour, il y aura plusieurs Christ. Ils vous parleront de Jésus-Christ. Mais de quel Jésus-Christ ils parleront? Parce que même dans la rose croix, permettez-moi, en répétant chaque jour, babon de la cage Jésus-Christ. Mais c'est de quel Jésus-Christ il s'agit-il? Donc, pour le moment, on a battu le roi Joël, on a battu le Christ. On a battu Christ. Mais en réalité, on a battu le secte de Moroboye. On a battu le roi. On n'y va pas pour parler. Mais on sait que Nego a sécrété. On a battu. Même il y a un mineur pour ça, il y a un salaire. En dehors de cela, a éviter que nous sommes déjà informés avec des preuves qu'il a un réseau, il y a un iPhone. Donc, il peut avoir. Il suffit d'avoir un iPhone. À cause de l'information, tout il peut avoir. C'est tout un réseau. C'est un grand terroriste, ses frères.
Donc, il est loin d'être un homme de Dieu. Très loin d'être un homme de Dieu. Je dis très loin d'être un homme de Dieu. Azuka Kombo Yesu, Paul Ongola Soni Naye, mais c'est un impudique, j'assume, je dis impudique, je répète impudique. Yamakasi, un cupide. Il y a des dossiers Oyo, aligné moi, à moi, sans aligner la grappe, hein. Mongo, à la moue, ils ont mené, batongé l'église, dossier nos alliés, frère. Les alliés, bah, fin de l'orange, qui sont. Batongé l'église à mounène, mais après, de se voir, bande de wang. Il a décidé combien de serres, ses frères. Malève en bon, on a bon. Bah, quand on a bon, on a mis sur beau ça l'attention. Toutes les autorités, au moins, sont bonnes dans l'église à Joël. Bimisa et Kuna. Bimisa, moi, c'est dans l'église, ouais. Et tel lieu, papa, bimisa, moi, c'est champion de coucher avec basse autorité. Et parmi eux, les gens moko sera rolling à table audio de Rochangwa. Quand on a quitté son enfant de Rara de Rochangwa. Donc ce frère est loin d'être un homme de Dieu. Le jour où il ose encore, oh, Tindaki Batu, oh, Bakangamutu, oh, Basalaboué, frère, ce même visage, tu le verras. Non par haine, mais par amour de sauver l'église du Seigneur. Vous êtes un infiltré. Le rôle à Olati Kombo Yesu, il y a un roi, au salut, le rôle à Dieu du dedans, nous avons jugé parce que la Bible me le permet, et nous avons noté, nous avons fait ça, fait très attention, frère. Non, pour ça, j'ai vu comment est-ce que Bundi pour mon église, on est fan. Mais quand, au Tiki Bétiste, alors nous allons t'aider, il y a aucun Abisaga, au Zonga Bujumbura. Merci beaucoup, prophète Henri. Alors je crois que nous prenons. Et il y a une prière organisée bien sûr par le prophète Paul Fulgence Nkoussou pour le 4 juillet à Chobeuse où il invite des serviteurs de Dieu, toutes tendances confondues, vous êtes invités, vous avez un message à partager par rapport à cette vision. Si je bénis Dieu, je bénis Dieu, même hier j'étais en train d'écouter un témoignage, un musulman, d'abord. Imam. Imam. A fouti billet. A tiki États-Unis. A bi ala a ebisye. A ya kokouta na prophète Fulgence. A bon de la ponaye parce qu'il a vu ala dans prophète Fulgence. Bon, ala c'est Dieu. Comprends, c'est Dieu. C'est un grand témoignage déjà. Si vous avez dans votre pays des gens que Dieu témoigne comme ça, même dans ma religion, oh, tobo ya ka, koke ne kouna teza dans les faux. Mais, imam. Pas n'importe quel musulman, imam, na niveau ana, a fouti billet na États-Unis, a fouti billet a yéti na Congo, parce que à la MC, a koutana, prophète Fulgence, je bénis Dieu de vivre na époque, le prophète Fulgence, na mboka ou, na période na et je continue à inviter les gens. C'est ça que même ma vidéo, a invité Batou, papa Alain, c'est Dieu qui a mandaté ses prophètes dans cette période, dans cette saison, pour même quelque chose de changement dans mon cannabis. Mboka oyo enyokami mingi. Guerre na mboka oyo ezaki le roi lomo. Ezali roi lomo boye. Les gens ne se rendent pas compte de ba vie humaine abatu ezobeba. Alors Dieu s'est choisi un homme parmi les prophètes pour basa la losam. Abondela ensemble avec les hommes de Dieu pour la guerre et s'arrêter. Papa Alain, même mata guerre wana isaka politisé, isa politique. Si Dieu dit aujourd'hui je vais arrêter ça, il va arrêter ça. Luc chapitre 1 verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Job chapitre 42 verset 2, la Bible dit je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta pensée. La pensée de Dieu est que la guerre s'arrête au Congo. Alors il s'est choisi un homme, Fulgence. Il dit organiser le sambo pour Namboka. Pour que les gens ne soient pas dans le Beni, dans Goma, dans Burundi, ceux qui habitent partout. Ituri, ainsi de suite, Beni. Pour que les gens ne soient pas dans le Beni, Nzambe a consolé Mité Manabango tant que la guerre et qu'on s'arrête dans l'Estambouk en Abisso. Alors cette prière est en cours. Tout le monde de Nzambe et c'est réalisé. Moi je prie, je vous demande, mes frères et sœurs de partout dans le monde entier, mettez même vos moyens financiers et tout afin que ce programme se réalise. Programme mona et salama et qu'on console mité ma yabato ba bungisa ba bisona soto bungisa ba ndona bisona ba est kuna. Je suis congolais, quand le sang des congolais coule, ce sont mes frères.
je vis. Ah non, c'est malheur. Que Dieu bénisse le prophète Fulgence. Alors j'invite les gens, basons-moi en considération, basal yanzambe, toya ensemble, ces quatre, tobondela ensemble. Et Dieu nous a promis, yako arrêter guerre. Nous allons prier ensemble avec lui, oazui vision en gros. Et tout le monde dit que nous avons le blague de la guerre ou anapé et qu'on s'arrête dans le monde. Le Congo, il y a possibilité que le Congo soit le Congo sans guerre dans l'Est. C'est possible. Et cela va commencer maintenant dans le monde. Nous avons une soutenons-les, soutenons cette vision, participons à ça, venez nombreux afin que la gloire de l'Éternel ait s'éclaté ce jour-là. Et je sais que nous avons une soutenance. Merci beaucoup, prophète Henri Miracle. Alors, je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien, bien sûr, avec l'homme de Dieu. Retrouvez-le à travers ce numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Oui. Et vous avez besoin d'un encadrement spirituel. Vous avez besoin d'échanger, bien sûr, avec lui concernant tout ce que vous avez comme problème. N'hésitez surtout pas. Il est très disponible et il va vous recevoir. Au cas contraire, les gens, lorsqu'ils reviennent vers moi, en fait, j'ai appelé le prophète, il n'a pas décroché. Faites un message. Lorsqu'il sera disponible, il va revenir vers vous. Merci beaucoup à vous. Prophète Henri, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Ouais. Il y a quelque chose à ajouter? Bon, pas grand-chose. Je remercie ces gens qui continuent à nous soutenir, qui prient pour nous, à tous ces gens qui, surtout qui m'ont soutenu pendant que j'étais malade. Je vous bénis, que le ciel s'ouvre pour vous. Pour continuer, vous allez bien. Pendant la période de la maladie, l'Éternel m'a fait voir une vision alors que j'étais en train de prier pour un paralytique. Paralytique, il y a un malade mort compliqué. Je me suis vu en train de prier pour elle. Alors, depuis qu'il y a Bela qui, c'est ce que j'ai fait comme service. Donc, nous tenons sur dit qu'il y a un neuromoro paralytique. À Tazawat, il y a un neuromoro malade mort compliqué. Cancer, sida, et l'homoro, il y a compliqué. Tout m'a dit qu'il est compliqué. À un hôpital, à un hôpital, coronavirus, ainsi de suite. Mon numéro est là au bas de vos écrans. Appelez-moi, nous allons prier pour ces gens et l'Éternel va manifester la guérison comme il nous l'a promis. Tama Pambolabino, je t'ai béni aussi, Papa Alain, qui a toujours été avec moi et qui m'a toujours soutenu. Et que grâce à Nzambe, toute l'équipe, il y a Nouvelle Tendance Télévision. Et continuez à vous abonner. J'avais prophétisé, j'avais dit Nouvelle Tendance va monter de gloire en gloire jusqu'à atteindre des millions d'abonnés. Que Dieu vous bénisse. Toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien puisque nous croyons en l'existence de notre Roi, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est par ici que nous mettons un point final. Vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à toute la grande équipe qui était très motivée au four et au moulin. À la prise de vue, vous avez Gédéon, l'oeil accompagné de Sarif Mbala, la réalisation comme d'habitude. Jonas Zouzi est notre chef, Jordan Pince bien sûr qui nous assiste parce qu'il ne travaille pas, parce qu'il est convalescent. C'est vrai, il n'a pas encore retrouvé sa force, mais nous croyons qu'il va reprendre d'un moment à l'autre. Si je suis en remarque, le numéro est affiché, n'hésitez surtout pas. Alors, on se fixe rendez-vous pour le prochain numéro de cette émission. Tous les coups sont permis, sauf les injures. Au revoir. See ya, go bomba, Jesus.